La tension était déjà montée d'un cran sur le plateau. Ce jeudi 16 décembre, Éric Zemmour était l'invité de Cyril Hanouna dans sa toute nouvelle émission, Face à Baba. Devant de nombreux invités, le candidat à la présidentielle a pu présenter ses idées et débattre avec des personnalités comme Elisabeth Moreno, Émeric Caron, Karim Zeribi, ou encore Alexis Corbière. Ce dernier, membre de la France Insoumise, a eu un vif échange avec le candidat dès les premières minutes de leur débat. Il ne faut pas parler de vos livres, il faut parler de ce que vous dites maintenant. Si est-il quand même curieux de la part d'un homme politique. Je vous dis que vous êtes un leader d'extrême droite et vous me dites que non. Vous êtes quoi, un écologiste radicalisé? A commencer par demander le proche de Jean-Luc Mélenchon. Mais Éric Zemmour n'a pas été la seule cible d'Alexis Corbière. En effet, Stanislas Rigaud a lui aussi été pris à partie par le membre de l'ALFI. Si les deux hommes ont commencé à s'écharper en plateau, la tension n'est pas retombée en coulisses. Ce vendredi 17 décembre, Jean-Marc Morandini a dévoilé des images dans lesquelles le jeune homme se fait insulter par Raquel Garrido et Alexis Corbière. Espèce de lâche. Connard va. Franchement, ce que tu as fait ce soir, si est-ce honteux, lui lance-t-elle. L'animateur précise qu'il y aurait eu d'autres insultes et échauffourées en coulisses. Cyril Hanouna, ce n'est pas du tout ce qu'on voulait, un comportement dommageable pour Cyril Hanouna, qui a été interrogé par Jean-Marc Morandini, ce n'est pas du tout ce qu'on voulait. Je pense que ce n'est pas ce qu'il faut ni à l'antenne, ni hors antenne. Ce n'est pas du tout ce que l'on voulait. L'animateur de TPMP ne souhaite se brouiller avec personne, même s'il regrette ce type de comportement, ils ont été pris dans un truc, où ils se sont un petit peu chauffés tous les deux. L'émission était très longue et peut-être qu'ils l'ont craqué un petit peu. Des comportements qui auraient pu tout de même être évités. Loading Widget.